lève. Ah, le temps a pas l'air top. Alors, bienvenue pour plus de The Long Dark. J'ai regardé sur le fichier de la sauvegarde. Apparemment, le jeu nous dit qu'on a 50% d'explorer. Ce qui est intéressant. Ce qui est assez intéressant. Je pense que c'est la première saison où on va aussi loin. Enfin, en épisode, on va dire. Et je dirais que... En nombre de zones visitées, je crois aussi que c'est le plus long. Parce qu'à chaque fois, il y a eu des mises à jour qui ont changé le jeu et tout ça, donc on a dû recommencer. On a failli recommencer encore pendant cette saison, vu qu'ils ont rajouté des nouvelles mécaniques comme ça là. Mais au final... Ah, il y a écrit supprimer maintenant. Ah, on peut les supprimer de la carte comme ça. Je crois qu'ils l'ont rajouté ça aussi. Ils l'ont rajouté il n'y a pas longtemps, vu que supprimer est coupé par le bas de l'écran. Oh mon dieu. Des fois... Non, si, je vais quand même le dire, ça va m'énerver. Bon, de toute façon, on va se préparer pour retourner dans la zone. Mais j'ai envie de dire, quand les développeurs font des jeux... C'est un peu comme moi, par exemple. Je vais un peu comparer ça... Bon, pas quand j'étais à l'école de 3D et tout ça. On va comparer à un truc que je fais, par exemple, récemment. Quand je fais une vidéo... Genre, je la monte et tout ça. Avant de faire le rendu, je la regarde en entier. Par exemple, on va dire une vidéo qui est vachement éditée, par exemple. Pas The Long Dark. The Long Dark sont pas vraiment trop édités. Juste le début, la fin que je coupe, que je rajoute la petite intro et tout ça. On va aller chercher du tissu. Donc voilà. Donc imaginons une vidéo qui est beaucoup éditée, par exemple, comme une sorte, je sais pas, genre CMU, un truc de build et tout ça. Donc j'édite et tout. Et après, ce que je fais, en fait, c'est que je regarde la vidéo avant de faire le rendu. Alors, la dernière fois, on avait vu un loup, là. Je sais pas s'il est toujours là. Mais avant de faire le rendu... Ah oui, je voulais aller refaire ça aussi, le Polaroid, là. On fera ça après. Je regarde donc la vidéo. Et après, quand la vidéo est bonne, je fais le rendu et tout. Et après le rendu, je regarde encore une fois la vidéo. Voire plus, je dis une fois, mais c'est jamais une fois, c'est toujours plusieurs fois. Mais bon, voilà, c'est pour dire. Je l'écoute au casque, je l'écoute après aux haut-parleurs pour voir si le son est bon. Parce que entre casque et haut-parleur, des fois, le son est différent. Donc j'écoute comme ça. Et après, une fois qu'elle est sur YouTube, je fais exactement pareil. Donc je la réécoute. Casque encore. Haut-parleur, etc. Je regarde si tout... On avait fouillé on n'avait pas fouillé cet endroit. Donc je vérifie si tout est bon. Alors pourquoi je parle de ça? C'est pour dire que les développeurs, quand ils font leur mise à jour et ils font leur jeu, est-ce qu'ils testent dans toutes les langues? Est-ce qu'ils testent vraiment leur truc à fond? Parce que j'ai l'impression que non. J'ai vraiment l'impression que non. Rien que le fait d'avoir ajouté genre supprimé et là qu'il est... Ah, non, on a pas fait celui-là. Qu'il est coupé par le bas de l'écran, j'ai vraiment l'impression que non. Pour content, ça se voit en 3 secondes, hein, ça se voit en 3 secondes. Hein. Mais non. Les gens, apparemment, ne prennent pas le temps. Donc c'est pour ça que je me demande des fois, les développeurs, s'ils pensent à faire tout ça, quoi. Je dirais que non, j'imagine que non. J'imagine que pas du tout. Parce que c'est vrai que aussi le fait de... D'avoir plusieurs langues dans les mises à jour, dans les jeux et tout ça, il faut voir. Parce que ça va être de différents mots, des fois c'est un autre alphabet. Il faut voir si tout fonctionne en fait, si tout tient sur un écran et tout. Et là on le voit en 3 secondes quoi. Il suffit de faire ça et hop, tu vois que supprimer, il est coupé. Donc il y a un problème de cadrage, il y a juste genre un axis à changer, c'est juste des chiffres à changer pour l'affichage et puis voilà, c'est fait. C'est pas très compliqué, hein. C'est pas très compliqué, hein, les choses. Hein. C'est comme les lignes de code pour garder la souris sur l'écran. C'est juste une ligne de code, en fait, pour faire ça. Donc, c'est pas très compliqué. Donc, quand vous avez des jeux si vous avez plusieurs écrans, vous voyez la souris se balader... C'est quoi, ça? La souris se balader sur votre deuxième écran, c'est pas normal. C'est parce que les développeurs n'ont pas mis cette ligne de code dans leur jeu. Bah voilà. J'avais envie de parler de ça parce que là, ça vient de me choquer, en fait, le truc de voir supprimer, là, qui est bloqué, qui est coupé. Enfin bref.
Bon, bah du coup, on n'avait pas fait cette maison. Bon, on n'a rien récupéré de toute façon à part le tissu. On est toujours à la recherche de tissu, hein, parce que je parle, mais comme j'ai dit, on est en recherche du tissu. Alors, une fois qu'on en aura un petit tas, une vingtaine, et après on retourne à la planque. Et on essaye d'être sûr. Est-ce qu'on a le temps de monter? On va avoir froid, non? Et on essaye de... Après on repart. On va faire ça vite fait, vu qu'on est juste à côté. Donc apparemment il faut faire une surveillance avec le... Enfin faut dessiner à l'endroit où il y a la photo. Donc on va faire ça. On va avoir froid, mais bon, c'est pas très grave. On est à la maison. On est loin, on est proche de la maison, donc on va même passer cette journée dans le jeu, je parle. Cette journée, on va juste rester à Milton. Donc en gros, ça serait là. Et on fait ça. Ou alors... Ah ok, point de vue. Explorer les environs rejoint une grande partie de la région. Point de vue, explorer. Ok, c'est bon, c'est là en fait qu'il faut le faire. Okay. Dessiner une carte des lieux. Yeah, ok, c'est là. Village de la du montagnard, vous avez exploré, ok. Ça marche. Là. Ok. Oui. Enfin, de toute façon, après nous, ça, je l'ai fait juste pour le faire, pour montrer, parce que, mais au final, ça nous servira, ça nous servait à rien. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça nous servait à rien parce qu'on avait déjà. Dessiner la plupart de ce périmètre là, donc ça servait strictement à rien. Mais voilà, maintenant on sait comment ça marche. On va rentrer à la maison s'il faut manger. Et on va faire de la couture aussi vite fait, le temps d'attendre, de se réchauffer. Très bien. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut trouver l'endroit exactement et puis après il y a l'indicateur qui apparaît. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, on avait dit qu'on voulait faire du feu. On va pas le faire le feu maintenant. On le fera en fin de journée si on a fini. On fera ça en fin de journée. Très bien. On va encore chercher du tissu. Il m'embête un peu le loup qui était là-bas la dernière fois. On va aller en bas. Wow! What? Il y en a trois au même endroit, comme ça, côte à côte? C'est quoi cette blague? Je suis bloqué. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'était super étrange. La première fois que je vois ça depuis que je joue au jeu. La première fois que je vois ça. Y'a pas de maison là? Alors attends.
Là. C'était super étrange. C'était méga étrange. La première fois que je vois ça comme ça. C'était super bizarre. Un peu peur. Tout petit peu peur, légèrement, légèrement peur. Ok. On va faire ça. Très très bien. et donc le lendemain, on repartira pour l'enfer. J'aurais bien voulu trouver des lapins. Des lapins, histoire de prendre les peaux et de les faire sécher. Parce qu'après, il y a des loups. Comme j'ai dit, on peut chasser les loups, mais ça nous sert strictement à rien de chasser les loups. On s'en fout un peu de la peau. Très bien. Très très bien. Il faudrait une touche pour valider au lieu de devoir à chaque fois faire la genre à la souris, genre décomposer. Il faudrait faire genre espace ou F ou ouais non, il y a rien qui marche. Genre espace, ça serait bien pour valider le ce qu'on a sélectionné. Je trouve que c'est une bonne idée. Rajoutez ça dans votre jeu pour The Long Dark, s'il vous plaît. On va pas vraiment être très fatigué parce qu'on fait pas grand chose. On a combien de tissus? 25. Ouh, ça va. Ça va, ça va. Par contre, le temps, hein, est... ça arrange pas. Hein. Le temps ne s'arrange pas. Et après, on retournera en enfer. À la limite, ce qu'on essayera de faire quand on sera dans l'autre zone, peut-être chasser le cerf et tout ça, et on revient avec des pots. On essaiera de les mettre vers la sortie, vers la grotte par exemple. Et après, on ira... on les récupérera quand on partira. Un truc qu'on va faire aussi, pour éviter qu'à chaque fois d'allumer une torche, je pense qu'on va prendre... parce qu'on a laissé une lampe où c'est qu'il y avait la... Non, attendez, je... on a laissé une lampe ici, au mobilhome. Je me suis dit, peut-être qu'on va prendre la lampe avec nous. Oh, tiens, il y a un boulot là. Entrer dans la grotte, passer la grotte, et déposer la lampe à l'entrée en fait. Comme ça, quand on reviendra, on prendra la lampe et on n'utilise pas de torches, d'allumettes et tout ça. Quand je dis de torches, en gros, ça se traduit par allumettes, évidemment. Là, ça aussi, il faut le poser. Il y a des choses encore à poser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être pas mal. On peut casser ça. Non, on peut pas faire la main. La main. Ça serait une bonne idée de faire ça. Je pense. Parce que les lampes, honnêtement, on n'en a pas vraiment besoin. Et on en a une à la maison principale, donc à la limite, on n'a pas besoin d'en mettre deux au même endroit, vous voyez ce que je veux dire. Donc on va faire ça. Vous savez le truc de dire de... genre quand je fais des vidéos, je vérifie tout ça, si elles sont de bonne qualité, machin, est-ce que ça passe et tout. C'est un peu comme les problèmes de... comment il s'appelait? Jack Paul. Je crois que c'est lui. Les frères, un des frères Paul, je crois que c'est Jake. Je sais plus exactement. Peut-être je dois me gourer du prénom. Enfin bref, quand il est allé au Japon, qu'il avait filmé un cadavre.
Oui, il a mis ça sur YouTube. Il a filmé un mort, qui s'est, une personne qui s'est suicidée dans la forêt dont j'ai oublié le nom, je m'excuse, qui est au Japon, une forêt qui est connue pour ça. Je crois qu'elle est au mont du, au pied, pardon, du mont Fuji. Enfin bref. Et il a mis ça sur YouTube. Et après, il s'est excusé, tout ça, machin, blablabla. C'est pas une erreur. Faut bien comprendre que c'est pas une. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi je vais parler de tout et n'importe quoi sauf du jeu. Parce que vu que là, on n'est pas reparti dans la zone, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. C'est pas une erreur ce qu'il a fait. Le mec, il a enregistré donc avec sa caméra, avec ses amis débiles aussi. Et après, il a édité la vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Quand les gens se. Quand il s'est excusé, tout ça, et que les gens étaient là à dire ah, ça va, il s'est excusé, c'est pas grave et tout ça. C'est prémédité tout ça. C'est prémédité. Il a fait la vidéo. Il a enregistré d'abord. Et après, il a édité. Il a mis de la musique par-dessus. Il a vu la vidéo plusieurs fois. Et après, il l'a mis sur, bien sûr, YouTube, quoi. Donc, c'est pas comme si c'était genre. Genre comme un stream en live. Et où la personne fait une connerie sur le coup. Mais là, c'est du live, du coup. C'est différent. C'est. Je sais pas, comme si moi en stream. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je sais pas, je me fais tomber par exemple une bouteille de boisson sur la gueule par erreur, voilà. Mais c'est en live, je peux pas vraiment faire autre chose, quoi. C'est fait, quoi. Non, on n'a pas de charbon. Alors que quand il a sorti sa vidéo, c'est tout prémédité, du coup, parce que il a enregistré, puis après il a édité, il a même rajouté des musiques tristes par-dessus. C'est fou, quoi. Donc, quand les gens ils disaient « Oui, non, mais c'est pas grave, c'est bon, il s'est excusé. » Non, il a pas compris. Il a pas compris ce qu'il a fait de mal. Et les gens n'ont pas... Beaucoup de gens n'ont pas aussi compris l'extension du mal, en fait, qu'il a fait. Enfin, bref, voilà. Voilà. Tout ça pour dire que la plupart du temps, les gens, quand ils font des trucs comme ça, ils le savent. Et pour ce qui est des développeurs, ça... Bon, honnêtement, ça a presque plus rien à voir ce que je dis avec les développeurs, mais ce que je veux dire, c'est que ah, il y a toujours des moyens de faire des vérifications sur tout ce qu'on fait, sur ce que ce soit éditage, vidéo, jeux vidéo, mise à jour, etc. Même écrire des livres et tout ça. Il y a toujours, on peut, avant de poster les choses, on peut toujours vérifier. Donc c'est pas, à la limite, je dirais que c'est pas normal en fait que les choses comme ça arrivent. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Alors on a ça, on va le poser dans la cuisine. Ça, on va le garder, ça aussi. On a deux barbes de Jupiter. On a seulement deux barbes de Jupiter. Ça, il faudra en... Ah oui, non, mais ça, c'est les barbes de Jupiter. Non, nous, on a... Oui, on a trois... On a trois... pansements en barbe. Trois pansements. Très bien. Alors, j'avais dit que... On va poser celle-là. Attendez. Non, on va poser ça. Le pied de biche. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que le pied de biche nous sert vraiment? À part à forcer les casiers et tout ça, on peut le faire avec du pied de biche. Mais dans la zone où on va, il n'y a pas de truc à forcer. Enfin, on va le garder quand même. Juste au cas où. Au cas où qu'il y a un casier mis. Un casier fantôme qui existe. Ok, ça c'est bon. Là on a tout ça, donc il vous faut refaire des. On va les laisser ça là dans l'armoire. Il faut qu'on refasse du thé. On va prendre. Attendez. Ça on avait dit qu'on en gardait 5 sur nous. Donc on va en poser 4. On va en créer un. Et après on va faire ça 5 fois. Et on va le garder. Et après. Donc ça on garde. Et après c'est bon. On va faire le feu maintenant. Il y a un morceau de viande aussi qui traîne là, qui n'a pas été cuit, on va le faire cuire. Ouais, 800 calories, on a encore ça. Très bien, on va faire ça pendant là quand il fait un peu nuit. Enfin le en soirée. Et on va dormir, puis après on partira. On va refaire un peu d'eau aussi. Bon, on n'a pas vraiment besoin de refaire de l'eau. On n'a pas vraiment besoin de refaire de l'eau, mais bon. Ah, par contre, est-ce qu'il fait assez jour pour la loupe? Ça m'étonnerait, hein, ça m'étonnerait. On va voir ça.
Ouais, non. Je crois qu'il est... il faisait assez jour à un moment pendant qu'on était en train de dessiner là sur la map. Je crois qu'il faisait assez jour. On aurait pu. 10, très bien. C'est parti. C'est parti. Donc on va se préparer tranquillement, puis après on retournera... Ah, peut-être que pendant la nuit on va marcher jusqu'au mobile home. Et on dormira au mobile home, non? C'est pas mieux comme idée? Comme ça on sera sur place. On va mettre 1h13. Comme ça on sera sur place, c'est pas mal, non? Alors, j'avais dit que ça on en fait... On en faisait un. Après c'est ça. Ça. Raichi. Merde. Mince. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai l'impression d'avoir fait une erreur. Est-ce qu'on fait une autre torche? C'est rapide. Hein. Attendez, j'ai l'impression d'avoir fait une erreur. 1, 2, 2. Donc maintenant on fait que les Raichi. Cuir. Ah, c'est ça qui... On va faire la torche. Très bien. J'ai envie d'en faire un peu plus. Ça fait 3, 4, 5. À la limite, j'ai envie d'en faire un peu plus. Non, on va faire de l'eau pour le moment. Ah, ce bruit. On dirait que c'est un avion qui est prêt à décoller, quoi. Une fusée. Alors, je vais déposer ça, la torche, là. On va en garder que deux sur nous. Deux à 100%. Non, celle-là... Là, on a deux de côté de ça. Ça c'est bon. Comme j'ai dit, l'ouvre-boîte, on va le garder pour le moment. Okay. Ah, faut qu'on regarde le feu, il va peut-être s'éteindre. Avant que l'eau soit finie. Je suis en train de me demander, est-ce qu'on en fait plus ou pas? Ça servira à quoi d'en faire plus? Enfin, d'en avoir beaucoup dans l'inventaire. Non, ça serait pas utile. Non, si vraiment on a besoin d'en faire, on en créera sur le tas. Je crois. Oui, parce qu'après, sinon, ça va nous forcer un peu à les... Ça va nous prendre de la place. Plus après, on va prendre de l'eau en plus, ça va faire du poids en plus, etc. Donc, je vais avoir le sentiment de me forcer à les boire alors que c'est un peu du gâchis. Donc on va faire comme ça. On va faire comme ça. Les bâtons sont là. Voilà. 50 minutes. Elle est fatiguée. J'ai envie de... Ouais, j'ai envie d'aller directement, moi, au mobile home et dormir là-bas, au mobile home. Comme ça, on sera prêt directement pour partir. Je crois que c'est la meilleure des solutions. Je pense honnêtement que c'est la meilleure des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Non! Non, ça vient juste de s'éteindre. Je vois strictement. Ah, ok. Eau non potable. Eau non potable, eau non potable. Bon, bah, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ah bah non, du coup, il faudrait du... Non, non, attends. Il faut qu'on garde de l'eau potable sur nous. Parce que nous, on va aller là-bas. Là-bas, il n'y a pas d'eau. Si je dis pas de bêtises. À la limite, on peut en transférer au mobilhome. On peut en transférer au mobilhome de l'eau. Un peu, parce que là, on a 24, enfin 24 litres et tout ça. Après, on en a encore là. Ouais, 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 on va faire ça. Prendre 2 litres de plus. Très bien, je sais qu'on est lourd, c'est pas grave. On va prendre du tissu, parce que j'ai encore utilisé du tissu. Pensez un peu à tout à chaque fois. Alors, 3, 2, 5, très bien. Je suis en train de me dire, est-ce qu'on devrait pas en prendre plus pour créer un shelter? Quoique non, non, on a le sac de couchage, non, ce serait débile, ce serait débile d'en prendre plus. Faut qu'on soit quand même léger. Bon, avant de partir... Bon, on est lourd parce qu'on a beaucoup d'eau, hein, mais on en déposera au mobilhome. Je crois qu'on est bon à repartir. Je crois qu'on est bon. On a l'arc, on a les flèches, ouais, let's go. On va juste manger un petit bout, là, avant de partir. Quoique, on peut manger là-bas. Ah, il fait pas très froid. Ah, très bien. Et on sera déjà prêt. C'est pas mal, hein, comme stratégie. Donc comme j'ai dit, on est à la recherche donc d'endroits un peu spécifiques, comme on a vu là, avec le feu là. Après, bon, les bois aussi, pour récupérer des bois pour faire des flèches, des arcs et tout ça. Et bah, c'est à peu près tout. De toute façon, comme j'ai dit, je pense pas qu'on va trouver autre chose. Hein. Ouais, non, c'est vraiment de l'exploration. C'est vraiment explorer pour explorer, en fait. Il y a aussi... Je crois qu'il y a du... On avait trouvé dans la zone, là, dans le... Dans la... comment ça s'appelle La grotte. La grotte de glace. On avait trouvé du charbon, si je dis pas de bêtises. Ah, c'est par là que je voulais passer. On peut pas passer. Non, c'est trop pentu. Oui, peut-être du charbon. Alors, ça serait pas mal de le réunir à un seul endroit, mais... Ça va être relou, quoi. Ça va être un peu chiant. Genre, on prend 10 kilos de charbon, puis après on fait un aller-retour et tout, etc. Ça va être un peu relou. J'essaye d'imaginer quoi faire en fait là-bas, parce qu'à part l'exploration, il n'y a pas grand-chose, hein, comme je l'ai déjà expliqué. Hein. Non, on n'a pas besoin de faire ça, on a vraiment pas besoin, c'est juste pour le faire, mais... Je suis en train d'essayer de maximiser le... les choses à faire là-bas. Après, on peut faire encore le plein de champignons, de... Avec tous les champignons qu'on se prend, on va complètement être drogué. On va faire ça, les baies aussi. Les baies. Après, oui, les peaux de lapin. Parce que je crois qu'on avait croisé... Oui, on avait croisé des lapins. On peut aller prendre des lapins. Faudrait des... De la... Des... De la peinture fluorescente. Des lapins. Ça pourrait être intéressant.
cadavre du loup a disparu. C'est pour ça que je prenais du bois, parce que je savais qu'on n'en avait pas. Mais bon, on n'en a pas beaucoup. J'ai vu cette ombre là, j'ai cru qu'il y avait quelque chose genre derrière moi. J'ai cru que c'était, je sais pas, genre une créature derrière moi. Oh là 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 là. C'est ça de jouer la nuit, devenez fou. On va manger ça. On va boire et dormir et on est bon. On va dormir 10 heures. Et comme j'ai dit, on va prendre la lampe avec nous. Et la mettre dans la grotte. Comme ça, on sera tranquille. Je vais voir. J'espère qu'il y a du carburant dedans. Du fuel. Ok, on est en pleine forme. Alors, fais voir un peu. On a 2 litres. On va prendre un 3e litre. Ça c'est un peu con, on s'est levé trop tôt. Je pense... Ah c'est bon. Je pensais qu'elle allait... Je pensais qu'elle allait se réveiller dans le... En journée. Mais apparemment non. On est à 35 kilos. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là on a le... Du tissu. Ok, la lampe elle est sur l'établi. Je crois que lampe tempête. 0,77. 0,77. C'est pas énorme. Avec ça, on peut pas faire de torche. Donc autant tout foutre dedans. Voilà, 0,85. Enfin, je dis c'est pas énorme. En fait, si, hein, c'est énorme. Hein. C'est presque le litre plein, quoi. Donc ça va. Ça va très bien. Ah, j'aime pas ce temps. Attendez. Ouh, il fait très froid. Ça descend méga vite. J'ai pas vraiment envie de courir en fait. Parce qu'on va se fatiguer. On va lire. On va lire une heure. On va lire une heure. Ok, d'accord. On a bien fait de pas partir. Bien fait de pas partir. Ah, ce qu'on pourrait faire, des flèches. Enfin, des fûts de flèches. Et après, on peut faire des flèches aussi. On a ça. On va en faire 2. Et après, c'est quoi? C'est 3, donc 6. Ouais, quand même, 3 heures. Toujours un temps de merde, c'est cool. Ça fait plaisir. Encore heureux qu'on a pris de l'eau en avance. Hein. On a pris un extra. Alors, là on en a... Là c'est un fût. Là on en a 11 et 12. Donc on va en jeter une. Alors attends.
Je vois pas pourquoi la flèche était chiante à te mettre. Ouais, ça. C'est bête que ça, ça peut contenir que 5 kilos, donc les flèches... Je sais même pas si on pourra en mettre une côte à côte. J'ai l'impression que la hitbox de la flèche est vraiment très très particulière. Très très particulière. On va encore en faire une. Tiens, là ça m'a pas demandé si c'est couteau ou... Bon, bref. C'est super chiant les flèches. C'est pour ça que les flèches, je les mets tout le temps dans un... Dans un... Une armoire ou quoi que ce soit. C'est un peu relou. Bon, il est... Oui, mais le problème, c'est qu'il est presque nuit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah après, ça veut rien dire. Il fera peut-être bon. Mais bon, se balader la nuit, on peut pas dessiner et tout ça, c'est chiant. Aïe, 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 aïe. On peut dormir là-bas aussi, c'est pas très grave. On peut dormir là-bas. Je préférais quand même... Ouais, on peut dormir avec le sac de couchage à la limite. Bon, allez, let's go. J'ai plus de matériel pour les flèches. Hein. Que je fasse pas de bêtises. Par contre, il nous faudrait des... Yes, ça. Très bien. Ok, 39 kilos. Okay, ça marche. On va prendre un deuxième morceau de viande. Ah, comme j'ai dit, il fait pas froid. Il y a des lapins normalement sur la gauche. Je suis en train de me demander, c'est très bien qu'on les chasse. Mais bon, on avait quand même beaucoup de peau au camp, donc c'est pas grave. C'est pas très grave. Ouais, ceux-là là. C'est un peu mieux, hein, niveau froid. Là, on a réparé nos vêtements, ça se passe un peu mieux quand même. Paix à ton âme, le cache-oreille. On peut pas se mettre des lapins sur les oreilles? En boucle d'oreille, comme ça. Ça nous couvrirait. Un truc qui serait bien, c'est si... Encore, on parle un peu de mode en ce moment. Enfin, je parle beaucoup de mode. Parce qu'ils l'ont annoncé qu'ils allaient faire ce qu'ils pouvaient pour que le jeu soit compatible avec les mods. Ah, ça serait vraiment bien. Et j'étais en train de me dire, un truc qui serait vraiment cool aussi, c'est des nouveaux vêtements. Ah, surtout pour la version intrus, parce qu'on a vu qu'il y a au moins, je sais pas, une cinquantaine de vêtements. On voit vraiment rien en fait. Ah, une cinquantaine de vêtements dans le jeu. Sauf que bah, en intrus, bah, tu t'envoies pas quoi. T'envoies quasiment pas. Tu finis toujours par utiliser les vêtements en peau en fait. Donc du coup le reste bah, y a pas en fait, on les trouve pas, ils sont pas disponibles, voilà tout simplement. Donc on n'a pas vraiment le choix. Donc du coup ça serait vraiment cool d'avoir d'autres choses en peau. Je dis pas peut-être des vêtements mais genre je sais, bah, par exemple les cache-oreilles, on pourrait je sais pas fabriquer un truc en peau. Je sais pas si je sais pas. Ou une écharpe en peau. Une écharpe en peau, c'est pas mal, non? Ça existe en plus dans la réalité, donc pourquoi pas dans le jeu. Ça pourrait tenir chaud. Enfin, voilà, des trucs comme ça. Je pense qu'on pourrait faire pas mal de choses comme ça. Ce serait vraiment cool. Ça va pas dénaturer le jeu. Ça reste dans l'esprit du jeu. C'est très bien, quoi. Je trouve. Euh...
Je crois qu'on va mettre la lampe juste là. Voilà. On va manger ça. Je pense que ça serait pas mal. J'aurais écharpe en peau, ce serait vraiment cool. Parce que comme ça, ça nous permettrait de couvrir le deuxième emplacement avec de la peau. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Après, on pourrait toujours faire des sacs en plus et tout ça, mais bon, je pense que ça, ça dénaturerait un peu le jeu. Ça le rendrait plus facile, en fait. Donc du coup, ça dénaturerait le jeu, pour moi. Enfin, je trouve. Donc, peut-être pas faire ça. Bon, cette fois, on va aller sur la gauche. On va faire la gauche. Il fait pas froid, en plus. Faudrait trouver... On va prendre du bois. Et il faudrait aussi trouver un endroit pour se mettre à l'abri. Pour passer la nuit, parce qu'il va bientôt faire nuit. Si jamais on trouve rien, on... Je dirais à la limite qu'on retourne là et on dort. On devrait peut-être se bouger les fesses, non? Alors on va passer sur l'autre côté. Ok, là aussi il y a des lapins. Là-bas, il n'y a pas de grotte. Hein. Non. On avait vu un peu la dernière fois, mais pas plus. Parce qu'il faisait très froid, en fait. Là, le temps est bon. Là, ça, c'est parce qu'on a eu une tempête, en fait, avant. Qui a duré beaucoup d'heures. On est à 38 kilos, ça va. Ah, il y a un bois là. Mince, il y a un bois à récupérer. Ah, bon, c'est pas grave. On le récupérera quand on rentrera, si j'y pense. Là, il y a du cerf. Il y a beaucoup de bruit avec l'eau, donc c'est un peu dangereux en fait d'avancer. Ok, là on a encore des lapins, on a un cerf. On va continuer de ce côté là. Très bien. Ouais, il commence à faire froid là. On trouve une grotte. Ou un endroit. Après on a du... C'est pour ça que j'ai pris du bois et je regardais mon poids en fait. Pour faire du feu si jamais on a besoin. Et aussi moi je voudrais un mode pour afficher les vêtements qu'on porte. Parce que ça, c'est quand même vraiment... Esthétiquement, c'est quand même moche. On va arrêter d'en prendre du bois, parce qu'on va vraiment être plein. On va être trop lourd. Oh, il y a plein de bois. Oh, il y a plein de bois. Ça me dit rien qu'il vaille. Elle est où, il est où le piège? J'entends des loups. Je
J'ai envie de monter. Mais bon, je suis pas trop sûr. Des cadavres en haut. On a un pont. J'ai peut-être envie d'aller sur le... Pardon. En bas, là, sur la rivière. Parce que du coup, on pourrait avoir une grotte de glace. Vous savez, il y a plein de galeries. On en avait vu, là. Il y a des lapins. Oh, tombe pas. Ah merde, c'est un cul-de-sac. Bon bah on va faire ce qu'on... On va faire ce que j'ai dit. On va aller au lapin là sur ma gauche. On va aller au lapin sur ma gauche. J'ai remarqué que quand il y a des lapins... Alors, je pense pas que c'est vérifiable, hein, vraiment. Mais la plupart du temps quand il y a des lapins, c'est qu'il y a des bons endroits en fait. L'endroit est tranquille, la plupart du temps. Genre, il n'y a pas trop de loups, il n'y a pas trop de problèmes. Rivière calme. On peut passer par là? C'est bien cuvette, donc on peut se protéger du vent, ça c'est cool. Par contre, avant qu'on s'arrête pour faire un feu, je veux voir si on peut pas trouver une grotte. Si on trouve une grotte, c'est le mieux. Ils étaient où les lapins? Était là. Non, il n'y a rien. Il y a deux lapins. Les lapins, vous connaissez un endroit? Une grotte? Là, il y a une chute. Genre un... Oh non, c'est un asset. Un endroit pour se... C'est une grotte, ça? On dirait une grotte. Non, c'est pas une grotte. On dirait, hein. On dirait. Ah merde. On va voir s'il peut nous oublier. Ah, très bien. Je suis pas trop fan de ce qu'ils ont fait avec la musique, ça j'en ai déjà parlé. Ok, on est bon. À chaque fois qu'un loup nous voit, la musique se déclenche. Je trouvais que c'est beaucoup mieux avant. Enfin, c'est pas grave. Bon, va falloir trouver un endroit pour faire du feu. Là, on a un creux. Ou alors on trouve une grotte vite. Oh! Bon ben. Dis-moi qui fait. Yes! Eh ben voilà! Eh ben voilà! Pas besoin de faire un feu. Enfin, je crois pas. On est où sur la carte? On est là, rivière calme. Donc on est monté là. Donc la grotte, elle est. Je crois qu'on a fait quasiment toute la map. Intéressant. Donc nous, on a fait ça, en fait. On est arrivé là. Très bien. Très, très bien. Ah, je peux faire du feu de là. Intéressant aussi.
Bon, ça va être notre camp pendant un moment. On a fait tout. On va déposer le bois. On a un gibier cuit. On va prendre ça. Boîte de travail usée. J'entends des corbeaux. On devrait peut-être le réparer, non? Alors, est-ce qu'on peut manger ça normalement? On va manger d'abord celui-là, comme ça on n'en aura que deux sur nous. Alors, pourquoi on est aussi lourd? Ça. On a encore du bois. Ouais, non, pourquoi on est aussi lourd sans déconner? J'ai déposé le bois. Ah oui, les chaussures, c'est vrai qu'elles font... Voilà, elles font 2 kilos, les chaussures. Elles font 2 kilos. Faire un petit tour. J'ai envie de réparer l'igloo. Ok, on a un cadavre là. J'ai envie de réparer l'igloo. Pour passer la nuit tranquille. Je voudrais pas trop m'éloigner parce que si jamais on attire un loup, ça serait un peu embêtant. Donc on va rester dans le périmètre. Et on n'a pas loin. Ok. 100%. Ok. J'aime bien parce qu'au moment où je dis ça, il y a des loups quoi. Enfin, incroyable, incroyable ce jeu. Donc je crois, on va voir un peu le temps. Normalement, la chaleur est bonne. Ouais, on va pouvoir dormir parce que du coup, on va pouvoir faire ça. Donc on a dit 10 degrés et après on a plus 10 encore avec le... On va vraiment pas sortir. On a 10 degrés et après avec le sac de couchage on a encore 10. Donc ça va. Bon, bah voilà, c'est très bien. Bon ben je crois qu'on va arrêter là. Ça s'est bien passé. On a un abri. On a un abri. Donc nous on est là. Je sais pas la grandeur de la map. Là on va dire que c'était les bordures. Tout ça c'était bordure. Donc après nous on est... Quand on est rentré là, la grotte de la glace, on est ressorti là un moment. Et là on est pas loin du coup, donc c'est... Ah, attendez, nous si on vient de ce côté là... Je crois que c'est de ce côté là, si je dis pas de bêtises. Oh mon dieu, le truc il est vraiment pas loin. Donc on peut retourner là pour cartographier, s'il fait bon. Et puis après on peut essayer de continuer là, je sais pas si... Je sais pas si on peut aller là en fait. Mais on peut aller vérifier. On peut aller vérifier. Ça sera pour le prochain épisode. Mais ça va, oui, non, on a fait... Là c'est pas mal. Là on a vraiment trouvé un bon endroit. C'est cool, ça fait plaisir. Allez, on va dormir. On va dormir 10 heures.
Alors si on peut, si on fait ça, c'est plus 3. Et si on utilise notre sac de couchage, c'est plus 10. Et on devrait être bon. Attendez. On va peut-être reboire d'abord. Et après, on va devoir chasser, je pense, pour rester là pendant un petit moment. Ça va peut-être mettre notre camp ici. Et on va devoir aller chasser le loup ou un truc comme ça. Ouais, on va en faire notre camp. Je pense qu'on va faire ça. Pourquoi elle soupire comme ça? Non, c'est parce qu'elle est fatiguée. Ah, ok. Et bonne nuit à tous. Et on continuera la prochaine fois. Ciao, ciao.